Bonsoir tout le monde et bienvenue sur channel Blady Info Sport pour une autre vidéo. Dans la vidéo ça, nous allons pour nous parler de toute actualité qui a dominé football. Ou même qui peut vous abonner avec le channel YouTube Blady Info Sport, nous invitons à vous abonner ensemble avec le channel ça, pèsez petite cloche notification, une façon pour pas jamais rater une vidéo. Gen yon mini crise qui a développé en dans équipe Real Madrid là. Dimanche ça, nous connaissons Real Madrid qui se fait 0-0 face à l'équipe Real Betis là. Un résultat qui va faire plaisir avec dirigeants et fanatiques Real Madrid, yo, puisque c'est troisième contre performance durant pour l'équipe Real Madrid là après match nul qui était fait face à l'équipe Atlético Madrid là week-end dernier et défaite yo dans classico dans milieu de semaine là, c'était face à l'équipe FC Barcelone. Et en plus, Barcelone a gagné 9 points d'avance eh bien sous équipe Real Madrid là dans championnat d'Espagne là. Face à l'équipe Real Betis là, Real Madrid pat vraiment brillé et ont affiché un pile problème dans secteur offensif là. Une situation qui vraiment est commencé à agacer et inquiéter supporters équipe Real Madrid yo et médias qui basé à Madrid. Et surtout gain Florentino Pérez lui-même qui pas content aussi président équipe Real Madrid là qui était présent à Séville et dimanche là, et bien lui-même il était monté au créneau, il était très fâché surtout par prestation équipe Real Madrid là. D'après journal Relevo, il fait connaître que Florentino Pérez te gain une discussion qui était vraiment durée avec Carlo Ancelotti. Et d'après le journal, il fait connaître que la relation entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti pas fin correcte. Président équipe Real Madrid là, n'a pas apprécié plusieurs décisions qui prend par Carlo Ancelotti dans la dernière semaine. Sa yo. Et Florentino Pérez pas hésité pour le faire Carlo Ancelotti connaît ça. Eh bien, c'est une réunion qui était vraiment et duré en pile à tel point que Carlo Ancelotti lui-même était présenté en retard et dans traditionnelle et conférence de presse après match. Toujours d'après médias espagnols, il fait connaître que c'est depuis commencement année 2023 que relation Carlo Ancelotti et Florentino Pérez commencé à détériorer. Eh bien, plusieurs rumeurs fait connaître que avenir Carlo Ancelotti lui-même est lié avec sélection et brésilienne, ça qui pas vraiment fait plaisir avec vraiment Florentino Pérez. Et il pas vraiment hésité pour lui tacler entre les liens, bon côté et proche lio, notamment après derby semaine dernière là, pendant que Carlo Ancelotti lui-même lui t'a fait des choix qui te paraissent vraiment édouté dans composition équipe Real Madrid là. D'après journal Relevo, nous sur route pour nous vivre une séparation entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. Après match football, Carlo Ancelotti lui-même qui t'a fait déclaration en conférence de presse, il dit: c'était un match qui était vraiment difficile, surtout parce que moi pensais nous étions capables plus efficaces en attaque. Nous avons gagné des occasions, nous avons bien sorti derrière là, nous avons bien cherché nous entre les lignes, mais nous avons manqué vraiment efficacité. Nous avons manqué un passe en plus et nous avons manqué un centre aussi. C'est un moment comme ça et c'est réalité. Nous marquons un seul goal pendant trois derniers matchs nous. Et c'était son coup de pied arrêté, ça qui vraiment manquait nous. Nous devons être plus efficaces face à l'adversaire, mais nous connaissons que qualité là pour nous faire mieux. Nous devons être plus efficaces et vraiment et faire moins de dribbles et plus percutant et tirer plus de l'extérieur. Nous devons améliorer ça, nous connaissons ça, c'est un moment comme ça. Nous devons améliorer nous. Ancelotti continue pour le dire, nous perdons la vitesse, nous, notre transition. Yo. Si nous récupérons le ballon, au lieu que nous prenions rapidement, nous aimons jouer un peu plus, là aussi, nous sommes capables d'améliorer nous. C'est clair que nous avons des difficultés, nous devons améliorer nous. Et pour la première fois, nous avons gagné une semaine pour nous travailler. Et dans l'aspect, ça, nous pensons que nous pouvons travailler une façon pour nous capables d'améliorer nous. Je demande à Carlo Ancelotti, est-ce que Liga est toujours possible? Ancelotti répond, il dit oui, c'est toujours possible, c'est pas impossible, alors et c'est possible, mais c'est très difficile, très compliqué. Nous n'avons aucun doute sur le fait que nous devons batailler jusqu'à la fin. Je demande à Carlo Ancelotti, est-ce que le résultat ça n'a pas affecté l'équipe là? Il répond, il dit oui, faut que ça affecte nous, parce que si ça pas affecté nous, nous pas améliorer nous. Faut que ça affecte nous, c'est évident.
Ça doit affecter nous vraiment. C'est inhabituel pour Real Madrid de marquer un seul goal dans trois derniers matchs. Et c'était simplement son coup de pied arrêté. Ça a gagné quelques jours, nous t'ai marqué 5 goals dans Anfield. Eh bien, ça doit gagner un impact. C'est vraiment normal. Je t'ai pas demandé, Carlo Ancelotti, pour qui ça, Marco Asensio, pas de game minute dans match football ça. Ancelotti répond, on a fait connecter. C'est parce que moi t'ai gagné Rodrigo, Karim Benzema et Vinicius Junior. Marco Asensio, li pas de jouer, c'est parce que moi t'ai trouvé que Rodrigo, il t'a débrouillé très bien. Ou bien Vinicius Junior lui-même, il était capable et fait et différence là. C'est difficile pour m'expliquer pour qui ça Marco Asensio lui-même l'est pas joué. M'te pensé tout que m'te capable faire entrer, mais tout m'te pensé que m'te capable joindre une solution sans Marco Asensio. Je t'ai pas demandé Carlo Ancelotti qui niveau colère face avec situation ça. Les réponses dit moi plus affecté que me fâché. Ça affecte nous toutes. Une équipe qui gagne toute qualité, ça y est, pas qu'à faire 3 matchs sans qu'il va marquer 2-3 goals. Ça affecte en pile. Joueur aussi, y est vraiment affecté parce que nous gagnons en pile qualité pour nous marquer plusieurs goals, comme nous connaissons toujours fait. Je pense que le problème, non, il est là, mais marquer vraiment en pile efficacité. Journaliste yo t'a pas demandé Carlo Ancelotti, est-ce que le manque un attaquant en de Real Madrid ou bien est-ce que configuration équipe là paraît normal? Il répond, il dit oui, configuration équipe là, il paraît normal, c'est même équipe ça qui te gagne 5-2 dans Anfield là. Pendant que nous avons 5 goals à 2-1, nous avons tout traversé en Angleterre pour nous Liverpool qui crase Manchester United 7 goals à 0. Liverpool qui signe plus large victoire dans l'histoire contre Manchester United 7 goals à 0. Li vraiment est surpassé et succès li en octobre 1895. Les salités battent 7 goals à 1. C'était dans la deuxième division. Toujours avec victoire 7 goals à 0, Mohamed Salah qui fait un pile causé dans match football ça. Faut que nous dit Mohamed Salah lui-même, lui vini meilleur buteur histoire équipe Liverpool dans Premier League avec 129 goals, lui inscrit pour 205 matchs lui joué.